C'est-à-dire qu'il y a eu, ils ont eu une petite phase compliquée. Et ensuite, depuis l'année dernière, ils ont quand même bien remonté la barre et ils ont enchaîné les victoires. Ils sont à pas grand-chose de se qualifier à la fin de l'année. Donc ils ont fait un job qui est quand même exceptionnel. En plus de ça, c'est quand même une grosse écurie. Ça reste une grosse écurie du top 14. Donc voilà, c'est, même si c'est pas exactement pareil que lorsque je l'ai quitté, c'est vraiment, ça reste une grosse équipe. Ouais, on n'est pas dans la même cour, hein, même si l'an dernier ils ne sont pas qualifiés, on a été en finale du top 14. Quand tu vois l'effectif que compose l'équipe de Toulon, sans forcer, j'avais trouvé 21 internationaux, je crois, entre français et étrangers. Et puis c'est des gros joueurs, hein. Donc bien sûr des champions du monde, il y a un peu de tout dans cette équipe, et beaucoup de joueurs étrangers aussi qui composent le groupe toulonnais, mais des joueurs étrangers de grosse qualité, quoi. Des joueurs qui pèsent vraiment dans leur sélection nationale aussi, donc c'est jamais facile d'aller à Toulon, et ça l'est d'autant moins que ça fait partie de ces gros effectifs du top 14 aujourd'hui, hein.